Et pendant que Freya, elle s'occupe à faire des trucs, elle est très occupée, Freya. C'est-à-dire, c'est bien de vaincre Odin, mais il faut aussi arroser ses plantes. C'est chiant, sinon. Nous sommes de retour sur God of War Ragnarok. Odin n'est plus. Le jeu est maintenant terminé. Voilà, nous sommes à l'après-jeu. Atreus n'est plus là. Cette maison est vide. Brock, plus là, vous le savez. Squeak. Sindri, plus là, vous le savez. Ouf. reste Lunda, le chien-chon, et puis c'est tout. La maison t'appartient entièrement, tu as vraiment beaucoup de chance. Je veux dire, avant, il squattait un espèce de camp dans la forêt, là, avec des moustiques et des animaux dangereux. Et là, à l'arrivée ici, franchement, ça va. Alors, mais on n'a pas quand même terminé le jeu, il reste pas mal de trucs à faire, il reste plein de petites tâches comme un lézard à retrouver, il y a des brèches à refermer, il y a probablement quelques coffres à ouvrir, il y a l'arène à terminer, on va probablement commencer par ça. La dernière fois, on nous a mis en garde contre la dernière Valkyrie, enfin la nouvelle reine Valkyrie, donc j'imagine que ça va consister en un défi du jeu. Et bien sûr, les berserkers. Bref, on n'a pas fini. On va revisiter les différents royaumes pour voir ce qu'on peut faire maintenant que le jeu est terminé. Alors, alors le Ragnarok, déception. Alors, ça a été une déception pour moi. Ça l'est pas pour toi, pardon, mais ça l'est pas pour moi. Il y a des choses que je regrette. Je trouve que ça a été. Alors, je sais pas que c'est vite expédié. C'est que j'aurais préféré que ce soit encore plus grandiose. Voilà. Moi, j'ai regretté le fait qu'on avait dans notre équipe un serpent. D'ailleurs, j'ai des choses à dire sur le serpent. Un serpent monde et un loup gigantesque. Et qu'en fait, bah, t'en as un qui bouffe un dragon et l'autre il se bat vite fait contre Thor. Il se prend un marteau dans la gueule et pouf, il disparaît. Voilà, j'aurais préféré qu'en fait, y a quelque chose de plus fou dans la mise en scène qui se passe. Mais malgré tout, ça va, ça va. Je suis pas déçu de la fin en réalité. Je l'ai dit en fait, si je devais reprocher quelque chose au jeu, c'est peut-être le trop grand nombre de personnages bat les couilles. Vraiment, il y a des personnages, on s'en fout, et c'est dommage que le jeu s'attarde sur ces personnages-là. Et les moments un peu creux où tout ce que tu as à faire, c'est le gameplay cinématique en fait, c'est ce que je disais. C'est marcher, puis voir des choses, genre, voilà, Atreus, à la toute fin. Quand il grimpe, c'est putain d'escalier de merde. Bon, bah, je veux pas voir ça, moi, je trouve ça chiant. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, mais tout ce qui est gameplay avec Atreus, tout ce qui est phase avec Atreus, ça apportait quelques lore, voilà, quelque chose d'intéressant au lore de l'histoire. Mais c'était chiant, j'aurais préféré apprendre ces choses-là différemment. Ça coupait le rythme. Mais sinon, non, pas déçu. Alors, et le truc que je voulais dire sur le Serpent Monde, qui. Alors, moi j'ai regardé la vidéo, en fait, j'ai regardé mon propre enregistrement, je sais, en faisant le montage, je comprenais pas. Voilà, et pour moi il y avait quelque chose qui allait pas. On nous avait parlé de ce serpent à qui on avait insufflé une âme de géant. On avait vu ça avec Atreus et Ambroda, il lui avait donné son âme ensemble. Et depuis, plus rien, sauf Ambroda qui à un moment dit, tiens, il a vraiment, vraiment beaucoup grandi. Et donc j'avais théorisé, bah, tout de suite en disant, c'est bizarre, je me demande si, comme passé et futur se mêlent un petit peu, je me demande si ce serpent, ça va pas devenir le serpent en monde. Bingo, c'est le cas. Je me suis renseigné un petit peu depuis. Et en fait, Kratos d'ailleurs dit pendant le Ragnarok que le serpent monde qui est là a un peu changé. C'est pas le même. Et c'est normal parce que c'est le nouveau. C'est le serpent monde qui a été ré réveillé, qui a été créé nouvellement par Atreus et Angroda. Et le coup de marteau qu'il se prend et qui le fait disparaître, en fait, le renvoie 100 ans en arrière. Ce qui fait qu'il voyage dans le passé, il va rester 100 ans ici. Et donc, je sais pas combien de temps, 95 ans plus tard, je sais pas combien de temps ça se passe après God of War 2018, il va venir en aide à Atreus et Kratos. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, vraiment. C'est voilà, c'est une boucle. Mais ça m'intriguait en fait cette histoire. Papa, t'es allé aux funérailles? Le serpent se fait envoyer dans le passé. Voilà, le serpent ressuscite avec Atreus, devient le serpent géant, se souvient de lui. C'est ça. C'est pour ça que oui, c'est pour ça que déjà il parle le géant, ce qui est bizarre.
Atreus peut communiquer avec lui, ce qui est chelou, hein. Mais c'est bien flou, hein, comme truc. Et puis oui, il le connaît. Il le connaît, il n'y a aucune raison qu'il connaisse Atreus. Donc il le connaît parce qu'ils ont, voilà, parce qu'il l'a réveillé, c'est lui qui l'a créé. Et ça, c'est beau. Moi, je l'avais anticipé juste parce que bah, je m'étais un petit peu renseigné sur la mythologie nordique et je savais qui était Angroda, je savais que c'était la meuf à Loki et que leurs enfants, c'était Fenrir et c'était le serpent mondain hein, et un autre encore, je sais plus, je crois, je sais plus. Et bah, finalement, c'est aussi le cas dans le jeu. Ils l'ont fait ça à leur manière, mais ils ont tous les deux donné cette âme au serpent monde. Et concernant Fenrir, bah, on l'a vu, Atreus a donné à Grom, comme il s'appelle le loup géant. Grom, Grom, enfin, Atreus a donné au loup géant l'âme de Fenrir. Et après, avec qui on l'a revu tout le temps, qui s'en occupait, avec Angbroda. Donc quelque part, c'est encore une fois, c'est un peu ses parents, encore une fois. C'est beau, je trouve ça pas mal en fait, de rattacher. Ils ont essayé de rattacher un petit peu tout ce qu'ils pouvaient avec la vraie mythologie, avec leurs personnages en fait. Alors, grosse déception, on le voit que deux fois. Le serpent monde, oui, globalement, j'aurais préféré le voir plus que ça, en fait. Enfin, j'aurais préféré qu'à la fin, c'est pas qu'on le voit deux fois, c'est correct, j'aurais vraiment préféré qu'à la fin, il se passe autre chose, avec tout ce qu'on avait. Finalement, en fait, toute l'armée qu'on a réunie, tous les alliés qu'on a réussi à obtenir, bah, ils sont là que pour vite fait se battre à l'extérieur du mur et au final ils ont aucune conséquence sur le duel final puisque ça se passe en huis clos avec Kratos, Atreus, Freya, Trout, tout ça et la clique à Odin. Et donc finalement tout ce qu'il y a à l'extérieur là, l'armée des elfes, les serpents géants, les loups géants, tout ce bordel, bah ça a pas d'importance. Limitation technique, non, je pense pas. Là, je pense que du coup, bon, bah, ils ont peut-être pas eu suffisamment d'idées. Mais ils avaient fait quelque chose de cool avec un God of War de 2018. Le duel à la toute fin du jeu était très sympa parce qu'il y avait le géant qui vraiment aucune limitation technique à ce moment-là. Hein. Le géant qui devant toi se mouvait vraiment. Il t'envoyait des coups de main et tout ça, tu le voyais. Il était gigantesque au-dessus de l'arène du combat. T'avais Baldur qui te menait la vie dure et tout ça. Là, ils avaient fait un truc bien en termes de mise en scène. Il y avait quelque chose de très impressionnant. J'aurais voulu que ça se passe comme ça. Voilà. Donc, je rappelle aussi que ce petit connard d'écureuil de merde là nous a donné la possibilité de voyager dans plus de royaumes maintenant. Alors, moi, ce que je pense, c'est que bah, là, ça serait bien d'aller tout de suite continuer, terminer les défis de. Ah, funérailles viking. Ah, d'accord, c'est de ça dont tu me parlais. Ouais, faudra y aller. Épreuve finale, voilà, c'est Muspelheim, c'est ça? Oui, le creuset, voilà, c'est ça. Je pensais faire ça en premier. Pour obtenir peut-être un équipement qui va m'aider à faire la suite. Baldur qui te menait la vie dure. Ah, il y a quelqu'un qui l'a remarqué! Je pensais pas, je me suis dit personne m'a remarqué ma petite rime. Ça va, merci. Je suis content. Oui, bon, je ne l'ai pas trop appuyé, hein, c'est de ma faute si vous l'avez pas eu. Donc. On va repérer quoi? Près de ton atelier dans le désert? Quoi? Ah oui, c'est vrai, frère aussi est mort. Le frère, t'as un personnage. Moi, frère, je suis désolé, il fait partie de ces personnages, ben les couilles. Hein. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans le jeu. Je le trouve pas particulièrement charismatique, frère. Et il a pas fait grand-chose, quoi. Et tu m'en dis pas plus sur le truc que t'as vu? Ouais, c'est pas grave, on ira. Oh, regardez le chajon, il est là avec sa babelle. Comment ça se passe déjà? Alors, il faudrait probablement suivre. Ouais, je crois que c'est ça. Pourquoi là, il y a NR? Là, c'est fermé.
Donc ça doit être le défi final. Puis bon, je sais pas trop comment ça se passe. Je pense que là je vais en chier, déjà que la première fois c'était pas toujours simple. Je suis pas forcément mieux équipé que pour les premiers défis, hein. Un petit échauffement pour faire ton choix, tu parles. C'est celui-là? Éliminer au moins 20 ennemis dans le temps imparti. Je te soutiens moralement. Ah bah qu'est-ce que c'est gentil. Oh ça commence mal. C'est combien? Quelque chose comme 3 minutes. Ouais. 20 ennemis. Bon, pour l'instant c'est que des petits ennemis de merde, mais ça va changer. Peut-être que ça va peut-être pas être trop compliqué. Bon, en tout cas, je suis content d'avoir Kaya avec moi. Alors moi, mais par contre, mes grandes questions, c'est vers quoi ça va aller en fait tout ça. Alors maintenant, God of War, ils vont se diriger vers quoi? Vers là, ils ont plusieurs voies qui s'ouvrent à eux. Il y a la possibilité de voir Atreus devenir à son tour un dieu surpuissant, de massacrer, je sais pas quelle mythologie. Et de continuer l'aventure de Kratos qui, bah on l'a bien compris, à la fin il raconte son histoire avec le bûcheron là et la mort, qui a pas envie de mourir en fait, qui veut continuer, et apparemment, voilà, il aurait un plan. Il aurait un plan. Alors moi j'ai interprété ça comme, bah, il aimerait bien reprendre sa place de dieu. Pas le dieu de la guerre, hein. Quoique la place est vacante. Ah, et d'ailleurs, autre chose, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte d'un élément qui m'avait un petit peu échappé, c'est que Tyr était probablement pas mort en réalité. Parce que Odin en a pris l'apparence et je suis retombé sur une citation d'Odin. Où je crois, en tout cas, je sais plus qui c'était, mais en tout cas, je crois que c'était, oui, c'est Odin qui disait à la base. En fait, il ne peut pas s'accaparer l'apparence d'une personne si elle est morte. Voilà, elle doit être en vie quelque part. Et donc, bah, Tyr, vraisemblablement, est en vie. Alors, possible, ça va être chaud, hein. Oh, j'ai échoué à ça. Alors, possible que du coup, Tyr soit en vie. Possible qu'on tombe dessus. Ou alors, il garde ça pour la suite. Un DLC où tu joues le vrai Tyr? Non, ils veulent pas faire de DLC. Ils veulent pas faire de DLC. Ça, c'est annoncé. Il y en aura pas. Ils veulent vraiment conclure le truc. En fait, il faut dire qu'à la base, ils voulaient pas faire ces jeux-là sur. Cette histoire-là sur deux jeux. Là, normalement, c'était le prolongement du God of War de 2018 dans l'aventure, normal, quoi. Bon, ça s'étale sur deux jeux, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à raconter tout ça. Mais pas de DLC. Alors, Kratos, c'est fini pour... Non, je pense pas, en vrai. Je pense pas. Mais en vrai, je sais pas. Déjà, c'est pas évident de rendre Kratos, c'est failli dire. Pas évident de rendre Atreus hyper intéressant non plus. Peut-être que je joue bien aussi là. Parce que ça va, je parle et tout, mais. Je fais pas gaffe, quoi. Oh merde, j'avais pas vu. Oh putain, je vais tirer la langue. Pas bien tirer la langue.
Enfin, tout ce qu'on disait, c'est pas bien de tirer un angle. On parlait de la sienne, pas c'est des monstres. Bon, 38 secondes. Bon, ça devrait le faire, surtout qu'à la fin, il y a des feux follets qui reviennent. Ouais, c'est bon. Ils disent au moins 20 ennemis, ce qui doit sous-entendre qu'il y en a un peu plus que ça. Voilà, vraiment là c'est bon. C'est bon. Pas compliqué. Bon bah pas compliqué en fait. De quoi ? On lui a dit bouger de quoi ? Je crois que tu peux trouver le véritable tir vivant. À confirmer, on verra ça. Si vous le savez, vous dites rien. Cendre divine. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'ici j'ai terminé ? Une braise ardente. Ah ouais. Bah là je peux carrément plus interagir, c'est bizarre. Oui, je trouve ça bizarre parce que jusqu'ici il te donnait la possibilité quand même de refaire les défis. Et là c'est même plus le cas. Donc l'autre elle doit être par là. Mais oui, voir s'il est vivant. Bon bah si je tombe dessus par chance, on verra. Mais voilà, ça va être la. Bah moi ça va être les... c'est le truc qui rend le... cette suite d'aventures très excitante, c'est que du coup on peut tomber sur des choses comme ça. Si je tombe sur tir, franchement je vais être content quoi. Subissez continuellement des dégâts, mais récupérez de la santé lorsque vous en infligez. Je prends pas des dégâts. Je prends pas des dégâts, il se passe quoi? Surveiller des dégâts, je sais faire. C'est un truc que je sais faire. C'est un truc que je maîtrise super bien. Salut Benoît. Inch'Allah, il est vivant. On verra ça, on verra ça. N'en dites pas trop si vous le savez, surtout que toi, Kratos, hein, qui, je sais, l'a terminé, probablement à 100%. Oh, il est tombé. Oh, le con. Il est tombé tout seul. Mais je lui ai rien fait. Je pense aussi qu'il doit me rester pas mal de pouvoirs reliques que j'ai pas trouvé. J'ai pas l'impression d'avoir les derniers pouvoirs. Donc dans le God of War de 2018, c'était, les derniers ils étaient bien plus pétés. Je me souviens de ce pouvoir relique avec l'âge où il l'a soulevé au-dessus de lui et ça faisait une aura autour de lui qui touchait les ennemis et qui faisait vraiment mal quoi. Là je l'ai pas. Donc je pense que ouais, j'ai pas du tout fait. Après, je rappelle que à la base, putain merde, à la base, je voulais pas déclencher le Ragnarok si vite. Je voulais revenir en arrière, moi. Hein. Je voulais revenir en arrière pour. Putain, mais qui me tire dessus? Ah, c'est toi là-haut. Je voulais terminer le, tous les petits défis qui étaient possibles de terminer à ce moment-là, et j'ai pas pu. Ah mais d'accord. Ah mais je perds. J'avais pas compris ça. Je perds continuellement de la vie. Faut que j'arrête de trop parler. Et du coup, je fais pas gaffe. Apparemment, il est super high on life. Je le testerai. Ah oui, le dernier jeu de créateur de Rick et Morty là. Moi, j'ai vu des affiches contraires en fait. Qu'il était. Il avait du potentiel, mais qu'au final, c'était décevant. Mais ça m'intéresse aussi. Je testerai de toute façon, puisque j'ai aimé Trover Save the World. The Universe. Putain, c'est The Universe, je sais plus. Mais c'était cool.
Bon, allez, on va faire tout ça vite fait. Je sais pas combien de défis il me reste en réalité. Et ouais, faut que je me dépêche. Moi, j'étais comme un boulet en train de parler. Je me rendais pas compte que ma vie elle baissait. Juste au bout d'un moment, je fais ah tiens, c'est marrant, j'en ai pas beaucoup quand même là. C'est bon. Et quelle force dans ma hache! Bon, si ça se passe comme ça, ça va, ça me plaît bien. Que je vous avoue que les défis d'arène comme ça, c'est pas le truc qui me chauffe le plus quoi. Par contre j'ai assez hâte de voir ce qui aurait pu changer dans les royaumes déjà visités. Arrêtez de me dire tous BNM là! Oh putain, il y a une petite merde. Ah, je les aime pas ceux-là. Ah, je les aime pas. Ah, ils sont rapides en plus. Allez hop! Bon, c'est bon, c'est bon. Ah non, encore, encore deux. Voilà, travail accompli. Je dis nœuds. It said that the weapons of Muspelheim retained the memories of those they killed, even after they melted down. The metal lives. That's a metaphor. Sure. No. J'imagine que pareil. Ouais, voilà. On peut interagir avec. Bon, alors logiquement, il me manque seulement maintenant un dernier défi. Avant l'ultime, probablement, qui va se débloquer. Ah. Ah, ouais, mais si c'est fermé, je fais comment? Oui, je fais comment, du coup? Attends, parce que je l'ai pas fait, celui-là. Il a débloqué quelque chose là, bonjour. NF. J'ai du mal à comprendre aussi là, ça. NR. Ah. Rester en vie. Ça va. Je suis pas sûr de réussir parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise de rester en vie. D'accord. Ok, bon bah là celui-là il est débloqué. 99 ennemis. Ok, c'est une épreuve d'endurance. Ouais. Ah, peut-être que ça va un peu couler ça. La 99 c'est long quand même. Hein. J'arrive à me prendre. Regarde, j'arrive à me prendre des dégâts par la part des pecnos de. Des pecnos de barbu du nord là. Oh! Ah,
comment vous dire que pour les 99, ça commence très très mal. Hein. Et en plus, il me donne pas de soin là pour l'instant. Tu fais naf, Manu, je t'emmerde. Voilà, ça te va? Allez, celui-là, ça part. Lui, c'est un puissant, par contre. Hop, il me reste que dalle. Ah, mais voilà de la vie. Bon, pas beaucoup, hein, mais c'est toujours ça de prix. Sur 99. Putain, j'ai pas eu... Mais non, j'ai pas eu le temps de faire un petit bouclier. Du coup maintenant j'ai gagné des attaques visiblement quand j'esquive au bon moment. Ce qui est plutôt cool, mais voilà, je suis pas habitué en fait, et du coup je les lance un petit peu aléatoirement. Attends, il est revenu là lui. Mais j'aimerais que tu les envoies pas dans la stratosphère, s'il te plaît, Kratos, voilà. Putain, ça fait des dégâts de malade en vrai, les feux follets. Puis en plus, ça immobilise les ennemis. Regardez-lui. Oh là. Il y en a encore un autre, là. Ah, là, tiens. Je vais avoir à la place de Freya, je peux avoir un feu follet dans mon camp. Et hop, ça brûle. Elle a brûlé sa pote. Bon, ça commence déjà un peu mieux, j'ai un peu de vie en réserve. D'ailleurs, attends, on va regarder. Là, je me suis fait un repère pour voir si je regagne de la vie ou non. Pour être sûr. Si j'en regarde, si j'en regagne, c'est vraiment imperceptible. Mais bon, il peut peut-être pas m'en donner trop. C'est vrai que quand tu tapes dans les boules, ça fait toujours très mal. Kratos, il sait où taper. Ouh, putain de petite merde, là. Je l'ai fait à la... Je l'ai fait à la nazie, t'sais. Putain de petite merde. Mais non, Kratos! Pas ce genre-là de nazi! Putain, ma belle vie que j'avais, elle s'est envolée! Mais vous cassez les couilles, putain! Allez, vas-y, je me protège avec les épées! Elle est où la petite pierre de vie que j'avais là? Ah, elle est là. Ceci dit, c'est bon hein. Regardez, les elfes noirs et les elfes blancs se battent ensemble contre moi. Ils se sont trouvés à un ennemi commun. Ils vont réussir à me tuer d'ailleurs. Kratos, contre le racisme. Bon, il y a quoi là maintenant? Il fait quoi tous ces petits ennemis partout là? Freya, je te regarde. C'est un truc de fou en vrai. C'est un truc de fou. Vas-y. Ah ouais. Elle plante pas Kratos par contre.
Mais Kratos, c'est pas Wolverine, vous voulez que tu tues, espèce de trou de balle, va. Il a préféré choper le petit truc faible devant. Bon, en tout cas, si ça peut faire plaisir, je constate quand même que les noirs sont plus redoutables que les blancs, hein. Bon. C'est quoi, c'est du drogueur ça? Notre ami le félin. Je sais pas trop en fait. Pas trop ce que c'est que ce truc, mais bon, en tout cas, il est chiant. Mon cou est en train de geler. T'en as pas ? Et je te ferais dire que si tu gèles, ça veut dire que mon cul gèle. C'est pas agréable. Des fois, je prends des dégâts de je sais pas quoi, un truc que... Point. Au loin, tu vois, vaguement. Bon, ne dites pas que lui, il va pas me redonner un petit peu de vie, là. Ah, j'aurais été déçu. Bon, 53 sur 99, on est vraiment pas tiré d'affaire. Hein. À la fin, il va me faire affronter Odin, tu sais, il va revenir en mode... Ah ah, je pensais que c'était fini. Et non, je suis en vie. Alors, c'est quoi ça maintenant? Discrimination. C'est un fait, vous avez vu. Il y a des ennemis là qui sont apparus, que je puisse taper dessus avec. Avec mon nouveau copain. Ah mais oui, regardez. Bon, lui aussi va me redonner un peu de vie quand même. Allez hop, fendage de la mâchoire. Enfin, grand sourire, grand, grand, plus grand que ça. Ah bien. Ah c'est plutôt pas mal là. Un peu de côté ta mâchoire, non? Alors, 60 sur 99. Par contre, Faya, vraiment, elle déchire tout, hein. Ça, c'est... Enfin, tu vois la différence quand même avec Atreus, hein. Petite merde. Petite merde. Moyen d'avoir un petit peu de vie là ici.
Pas l'impression, ils ont pas l'air décidés. Quoi? Mais cette saloperie va. Je vais mourir à cause de. Je vais mourir à cause de l'ennemi le plus petit du jeu. Ça là. Oui, il y en a plein. C'est des piranhas, les petits machins là. Oui, ah, il y en a un qui a de la vie. C'est celui qui me l'a volé. Il me l'a rendu? Je crois qu'il me l'a rendu. Ah, il y en a un! J'en veux, la vie! Alors oui, alors, au passage, hein, on remarque que la vie, c'est pas quelque chose qui repousse très facilement. Hein. Je dis ça en référence à ce que j'ai équipé sur mon amulette. Bon. Oh là là, mais elle coupe les ennemis en deux. Freya, tu me plais. Oui, putain. Ça sent la fin, je sais, ça sent la fin. Alors que 86 sur 99, c'est pas grand chose, hein. Mais là, Le niveau de la vie surpris. Un petit peu. Je peux rester là en attendant que ça repousse. Ça repousse ou pas? Je me suis dit que j'ai pas bien compris comment ça marchait. Ah, il y en a un autre qui arrive. Ah, il y a des ennemis qui reviennent, hein. Oh, mais il y en a pas mal, même. Ouais. Ça renvoie, vas-y, ça renvoie des boules. Freya, je sais pas, fais un truc avec tes ailes. J'ai pas envie de recommencer. J'ai une petite merde. Je veux pas me prendre une vieille poule. Je me suis pris une vieille poule. Oh, mais je peux encore revenir à la vie. Mais pourquoi? Je m'en fous, je veux pas savoir. Ah, je suis revenu à la vie, mais elle m'a rien rendu comme vie. Sur 99. Ouais. Oh putain, la vieille boule! Pourquoi j'ai survécu? Il se passe des choses que je comprends pas. Tiens, vas-y, le Bifrost là. Oh. Il reste quoi? C'est quoi, c'est de vous? Vous êtes qui? Vous êtes qui, monsieur, dame? Putain, hop, 97. Oh! Ah non, merde! Je n'attaque pas avec la bonne arme. Imagine, je meurs maintenant. Oh! J'ai réussi! Et profite d'être terminé une sur 6! Ah ouais! C'est ça le niveau! Balance avec l'attaque unique de Freya. Ah, c'était bien vu, j'y ai pas pensé. Then we should try completing them in a different order. See what changes. Ah d'accord. Cuirasse brûlée de Surte. Mais ça m'a l'air d'être tout à fait à chier comme armure. Les attaques que Kratos porte à ses ennemis pendant qu'il l'attaque inflige des dégâts supplémentaires. La merde. Vous êtes sûr que vous êtes pas trompé de récompense? Alors d'accord, j'ai compris en fait un petit peu le truc. Ah, c'est le bordel. Il faut faire des mélanges de runes, en gros. Donc là, j'ai mélangé, ouais, c'est ça, j'ai... Mais ça veut dire que je dois refaire les... Non.
va pas refaire à chaque fois les défis quand même. C'est-à-dire que là, j'ai obtenu la rune F, on va dire. Mais... faudrait que je la refasse. Je peux pas la réactiver, sans. C'est ça? Ah mais ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pouvais pas la... je pouvais plus l'utiliser. Faut que je refasse les épreuves plusieurs fois. Mais c'est une très mauvaise idée, ça. Mais c'est le gros GG, la foule est en délire. Bah, quand elle va voir ça, par contre, elle sera moins en délire. C'est de la merde. 16... ah ouais, non, mais ça, c'est chiant. Je vais faire ça vite fait, hein, juste pour voir. Mais si c'est ça, c'est une très mauvaise idée. Allez, Kratos, change d'arme, j'ai dit. Bonne chance. On voit que t'as apprécié, toi. Et là, le mec, il sait, il connaît. Il connaît le jeu, alors il sait. Et là, il se dit, alors, ah, ça t'amuse de faire ça? Mais oui, c'est chiant, en fait. Ça veut dire que, oui, faut combiner les runes, en gros. Donc, la rune F, la dernière fois, j'avais combiné avec la rune de la reine du milieu, on va dire, là. Je sais pas comment expliquer ça. Et là, va falloir que je le fasse avec l'arène tout à droite, quoi. C'est pas terrible, mais il y a vraiment 6 mélanges possibles. Bon, j'en compte pas 6, hein. Ah mais oh merde, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a cette petite daube d'ennemis à la con. Là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai peut-être... on l'a vu, c'était un petit peu... enfin, c'est pas... c'est pas que c'est aléatoire, c'est que t'as une épreuve différente en fonction de la combinaison que tu as faite. Là, je l'ai réactivé, alors. Ah, j'ai un autre coffre. Et du coup, je suis peut-être tombé sur la pire des épreuves du premier coup. C'est de la merde, ils ont gonflé artificiellement la durée de vie de ces épreuves clés. Des épreuves claquées. Ah, on est d'accord, du coup. C'est, j'avais bien compris, parce qu'au début, j'avais un peu peur de pas avoir bien compris. Ah ouais, ça, bah oui, ça, c'est de la merde, par contre. Salut, Mel. Alors là, alors pour ceux qui n'ont pas tout à fait saisi le concept, ça, c'est là, lors du défi que j'avais débloqué dans l'arène centrale. J'avais fait celle-ci. Et celle-ci. Qui explique qu'en fait, je comprenais pas pourquoi la dernière épreuve, le dernier lieu d'épreuve, ici, bah il y avait une barrière en fait. Bah, c'est juste que bah je peux en sélectionner que deux. Pour faire un mélange de deux défis. Tuez rapidement les ennemis pour prolonger le temps imparti. Ça a l'air très compliqué. Ross!
Enemy behind you! Careful, brother. You're covered in Bifrost. Behind you! Ouais, d'accord, bon, ça va, c'est pas très compliqué ça. Du coup j'en fais 22, voilà, si je tombe sur des ennemis qui restent par contre qui restent à couvert ou loin par exemple, ça risque d'être un peu chiant parce qu'il faut vite les tuer pour vite reprolonger le temps. Ou alors des ennemis trop pénibles à tuer. Globalement ça va. Ah oui, ils restent là en fait les ennemis. Ils restent là, il faut venir les chercher. Du coup ouais, ça peut être un peu pénible. Bon, ça m'a pas l'air non plus excessivement bien, mais... Et ben mon gaillard, un petit peu de vie toi par contre, bon allez. Oui par contre je suis d'accord, ils ont artificiellement gonflé la durée de vie avec ce procédé. Ça c'est, par contre c'est vraiment de la merde, il n'y en avait pas besoin. Parce que déjà il y avait pas mal de défis, tu vois. Pas besoin de faire ça pour que ce soit plus long. Parce que là c'est long, c'est long et en plus c'est pas intéressant parce que bah tu refais plusieurs fois des défis pour en débloquer d'autres en fait. C'est un peu chiant. Oh, il est où le dernier? Ah, là-haut. Voilà. Voilà, donc là j'ai combiné Allez, prends. Bon, pour bien que je sache, hein. Là j'ai combiné celui de... Alors, dans mon esprit, voilà, il y a trois arènes, trois épées plantées dans le sol, là, voilà, qui donnent des défis. Dans mon esprit, c'est gauche, milieu, droite. J'avais fait la première fois gauche, milieu, là j'ai fait gauche, droite. Là, normalement, une autre épreuve est débloquée. C'est pas top, du tout. Tuer les soldats pour briser le bouclier de l'élite. Alors l'élite, j'imagine que c'est lui, là. Ouais, le capitaine Einjor là. Et je pense que je peux pas le toucher tant qu'il a son bouclier. Oh, les petites merdouilles. Effectivement. Putain, mais Freya, tu casses les couilles, tu sers pas sur les ennemis que je veux. Ah, ça y est, il n'y a plus de soldats. Du coup, maintenant, il peut prendre des dégâts, c'est ça? J'ai oublié de reprendre des... Oui, je viens de me rendre compte que j'ai pas repris des pierres de résurrection, tiens.
Pourquoi tu verrouilles jamais une cible? Ça me dérange plus qu'autre chose. J'aime pas verrouiller dans ce jeu. Comme c'est un jeu où les ennemis aiment bien t'attaquer sur les côtés, par derrière, tout ça, j'aime pas trop avoir l'idée que la caméra s'oriente dans un endroit où j'ai pas prévu. Donc ouais, je les verrouille pas, moi. Direction supérieure. Hop. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Depuis le début, il y a un système de lock. Oui, oui, je l'utilise parfois. Quand il y a un seul ennemi, je l'utilise généralement. De l'espèce de... Je sais pas, de... De rectangle chelou qui apparaît des fois sur les ennemis. Voilà, système de lock, voilà, c'est ça, là. C'est un carré, en fait. Mais voilà, en fait, ce qui me saoule avec le système de lock, c'est que... Ça lock complètement la caméra. Là, je ne peux plus bouger du tout la caméra. Et c'est... Voilà, ça me saoule un peu. Je vais dire, c'est le principe d'un système de lock. Oui, mais dans God of War, c'est chiant. Bon, je vais me débarrasser de cela, parce que c'est eux qui m'ont... Ils ont fait chier, là, tout à l'heure. Oh, là, mais c'était les portes. Bon, il n'a pas l'air très, très compliqué, le... Aimjar. Mais par contre, j'imagine que... Au bout d'un moment, quand il aura subi suffisamment de dégâts, il va... Il va faire repopper des soldats. Et il va falloir refaire ce délire là. Où... Il faudra tuer ses potes. Voilà, c'est bon, il a pris son bouclier. Voilà, bon, voilà, de nouveau, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des soldats là? Ouais. Oh, mais d'être plus loin. Oh non, mais il est chiant, mais il est chiant, mais il réapparaît au milieu de ses potes, putain! Ah ouais, non, mais en fait, ce qui est chiant, c'est que. Il se sert du bifrost pour se téléporter. Tellement relou. Bon, il a plus l'air d'y en avoir d'autres. Et puis j'oublie pas que je peux me faire résurrecter une fois. Il est chiant, ouais, le téléport. La téléportation, par contre, est vraiment casse-couille. Hein. Bon, Freya, tu l'as buté cet ennemi là ou pas? Le jarre là, c'est bon. Par contre, j'aimerais bien récupérer un petit peu de vie. Tellement casse-couille.
Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh là, doucement. C'est ça, j'avais pas anticipé. Copine. Bah derrière toi, c'est marrant, elle a des potes maintenant, elle. Une jarre là, c'est pas le seul danger, hein. Voilà. Putain! Du coup, il y a... Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est qu'il y a NR... Putain, il y avait 6 épreuves comme ça. Mais je vais devoir les refaire combien de fois, les épreuves? Ce qui est bien, c'est que... Attends, j'ai l'impression qu'il file des trucs pour améliorer mes lames, non? Changement d'amulette. Je vais faire de Muspelheim peut-être placer dans l'amulette. C'est quoi? Force de Muspelheim? C'est quoi, ça? J'ose espérer que vu qu'on me le file ici, c'est qu'il est bien, non? Ah, par contre, de Muspelheim, j'ai pas grand-chose de Muspelheim. C'est quoi? Parce que oui, je rappelle qu'ici, il faut... Pour les activer, il faut que t'en aies plusieurs, voilà. Et là, pour l'instant, je pourrais même pas l'activer. Il en faut 3 conditions d'ajout, 3 d'actifs. J'en ai que 2 au total, de ramasser. Augmente les dégâts des attaques de corps à corps infligées par Kratos quand la jauge de permafrost d'immolation de Maelstrom sont pleines en fonction de son pouvoir unique, ouais. Ça, c'est peut-être bien, mais je suis pas sûr. Ouais, bon... Du coup, ouais, toi, copine, dis-moi, tu peux améliorer mes armes? Ah non, c'est une flamme du chaos qu'il me faut. Augmentation des gars. Alors, pour ceux qui savent, juste pour savoir... Ici, qu'on obtient l'armure la plus puissante du jeu. Vous allez quand même pas me faire croire que c'est le truc de Surte que j'ai vu tout à l'heure. C'est pas ça, quand même. Ça a pas l'air si bien. Même visuellement, elle est moche, cette armure. Elle est déjà niveau 7, hein, de base. Et de niveau 7, je la trouve pas totalement ouf, quoi. Niveau des stats, c'est pas magnifique. Porte à ses ennemis pendant qu'une attaque inflige. Puis ça veut dire qu'il faut que je me prenne des dégâts pour en faire plus, c'est ça? C'est de la merde. Freya? How you doing? I'm fine. On that, madam, we are agreed. What? Thank you. Anytime. J'ai raté une vanne. Oui, ceux qui savent, je ne vise personne. Et d'autres, hein. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, en général, quand je dis ça, je parle de celui qui fait l'intéressant dans le chat en disant « Ah, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Non, mais ça m'intéresse. Attends. Je comprends pas comment on peut obtenir
On peut débloquer. Ah, mais en fait, ils sont pas débloqués. Regardez, il y en a ici qui sont là. Je vais les débloquer par la suite, ceux-là. D'accord. Donc, il faut que je refasse. Alors, maintenant, attends, c'est la dernière que je peux obtenir pour l'instant. La seule que je peux obtenir pour l'instant. Il va falloir que je refasse ce défi-là. Donc, ce que moi, j'appelle la droite. C'est quoi le mieux ? Tuer l'élite, je crois que j'avais fait. Ouais, j'avais fait ça en 2 secondes. Hein. Il faut que l'élite se pointe. Voilà, il est là. Donc voilà, lui c'est la cible. Il faut le buter et c'est bon. Ah oui, merde, faut déjà que j'aille chercher le coffre, j'avais oublié. En fait, je trouve ça très bizarre qu'il me donne des récompenses à chaque fois que je termine ce défi. Ça donne l'impression que toutes les récompenses que t'obtiens sont pourries. Mais c'est vrai que là, depuis le début, j'ai pas l'impression d'être particulièrement bien récompensé pour tous mes efforts, quoi. Alors, ça c'est celle du milieu. Non, c'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Celle du milieu. Celle de droite. Celle de droite et celle de gauche, c'est fait. Ok, donc voilà. Il y avait quoi ici? Les ennemis se remettent plus vite de leurs blessures. Jeter des orbes dans la brèche du royaume pourrait fermer. Subissez continuellement des dégâts. Mais récupérez de la santé lorsque vous en infligez. Ah bah oui, ça c'est celui que j'ai fait. C'est celui-là le mieux. Faut que je me dépêche. Au niveau du timing ici, c'est un peu serré, mais voilà. C'est pas trop compliqué. Juste tuer des ennemis. Récupérer leur... Non, il est tombé, putain. Il est pas tombé là où j'ai tué l'ennemi en plus. Là, c'est déjà, ça commence mal. Il faut aller récupérer ces putains de trucs là, comme celui qui est tombé, et l'envoyer dans la brèche. Bon, là, je... Ah, ça a pas commencé en fait. Est-ce que c'est... Ouais, non, j'allais dire, est-ce que c'est pas mieux si je les fais, je les mets tous à terre d'abord, les petits machins qu'il faut balancer dedans. Mais non. L'épreuve, elle démarre seulement... Quand t'as balancé le premier. De toute façon, on fait pas une épreuve très compliquée. Plus que 2. Voilà. Ça compte, les petites merdes là. Ah oui, mais c'est vrai. Après, j'avais oublié. Ah putain, j'avais oublié. Et que l'épreuve, elle est pas finie. Après, genre, ils vont m'en demander d'en mettre 15. Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié les canards. C'est ça, par contre, putain. C'est abusé. C'est abusé, je le prends comme une traîtrise. Alors 15, c'est énorme en plus. Bien faire gaffe à pas envoyer ton ennemi là où il sera hors d'atteinte.
Voilà, alors, hop. Ok, je vais en avoir un autre corps là, voilà. Dis donc, petit gars, pas facile comme mec, toi, hein. Hop. 10. Oh, j'aurais peut-être pas dû choisir celle-ci, j'avais oublié qu'en fait... cette épreuve, elle en cachait une autre. Non, ah, ah, je croyais qu'elle était tombée. Allez, une petite dernière. Et voilà. Bon, le coffre. Ouais, ouais, pour le moment, je sais pas. Je suis pas totalement satisfait des récompenses que j'obtiens. Et là, normalement, j'ai débloqué un nouveau défi. Mais... C'est-à-dire, par la suite... Donc voilà, ouais, ce que j'ai là, c'est NF. Par la suite, il va falloir que je les refasse, ceux-là, ou pas ? NR, putain, oui. Il va falloir au moins faire le N. NR... Mais je viens de comprendre. L'ordre, il compte ? C'est pour ça ? L'ordre, il compte ? Si je commence par le N ou par le F, ça va changer le l'épreuve que je vais obtenir ? Éliminer une série de demi redoutables. Ah, mais quelle bonne idée ! C'est toi, l'ennemi redoutable ? Ah bah, effectivement, on se connaît. Sur quoi elle tirait. Parce que j'ai plus assez de vie. Non, c'est quoi celui-là? On dirait le même gars que dans... Ouais, c'est ça, c'est dans le God of War de 2018 qu'il y avait ce gars, là. C'est un boss. C'est le boss des elfes noirs. Ah, je sais, j'ai encore oublié de prendre des prières, des pierres de résurrection. Je sais. C'est l'histoire de ma vie.
Et encore une fois, je sais pas si ça marche bien le chat. C'est là ce soir, j'ai l'impression que je rate plein de messages. Des fois, j'ai mon chat qui bouge pas pendant très longtemps. Et là, bah, j'ai plus de messages depuis un bail. Ce qui fait un peu peur, hein, parce que ça te donne l'impression que personne ne regarde le stream. Tu vois, c'est effrayant comme vision. Attends, je vais regarder un petit peu. Vous êtes hors ligne? Non, je déconne. Ouais. Je sais pas. Non, 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 non. J'ai été la voir là tout à l'heure. Bah en fait, je suis assez. Là, je vous avoue que je suis assez dépité par. Par cette. Cette arène. Enfin, ces défis globalement. Ça, vraiment, ça me saoule. De manière, vous savez pas, énorme de devoir à chaque fois me retaper les mêmes défis pour en débloquer d'autres vraiment et pour débloquer des défis qui sont juste vraiment chiants quoi. Et là donc ouais, j'ai un petit peu perdu de ce que j'avais en début de stream, d'envie de découverte, ça j'étais content, voilà, j'avais envie de découvrir tout ça. Là, ça m'intéresse pas en fait. Allez. Jamais les cordes qui brillent celui-là pour lui faire une attaque spéciale, je pense. Ah, peut-être si. Et du coup, là, je vais faire un truc. Une attaque spéciale, je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à le mettre à terre. Voilà. Bon, pour l'instant, il est redoutable, ça va. Hein. Par contre, il m'a mis cher, je sais pas comment il a fait. Merci frère. Allez hop, explosé dans le sol. Évidemment, c'est pas terminé. Bon, c'est qui ça maintenant? Ah, mais c'est la bibliothécaire! On l'avait croisé un ennemi comme ça! Dans les archives du désert. C'est marrant, tout à l'heure j'avais réussi à obtenir deux pierres de résurrection, enfin... Freya avait réussi à me re-soigner une deuxième fois,
ce qui m'a permis de tuer les 99 ennemis, mais j'arrive pas à le refaire. Peut-être tomber sur un bug. Je suis vraiment découragé. Je suis vraiment, vraiment découragé de ouf pour la reine de enfin pour le royaume de Muspelheim, quoi. Bah. Là, la plus envie, c'est elle qui décide, tu sais. Mais du coup, attends. Vu que je suis mort, je suis mort ou je suis revenu en arrière et je dois me racheter une pierre ou pas. Je vois ça où. Je sais pas en fait. Épreuve du creuset 11 sur 15. Hein. 11 sur 15. Mais pour débloquer les trois autres, je vais devoir en recommencer 6. Enfin 6 fois. C'est une idée à la con. Elles sont simples, en fait, c'est pas la raison. Elles sont pas trop compliquées à faire. Ah non, c'est bon, je l'ai. Ouais, j'avais juste envie de te voir. Tellement belle gosse. Amulette. Putain, mais là aussi, ça me saoule. Hein. Je vais changer de gemme runique, parce que là, j'arrive pas à comprendre comment elle s'active. Est-ce que avoir une. Il est ouf. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la régénération. Il faut avoir une vitalité 24-170. Comment j'obtiens ça? Dans mes armures? 2470, ça veut dire quoi? En sachant que là, en vitalité, j'ai juste 24. Alors, je pourrais avoir avec la cuirasse de Surt, par exemple, plus 36. J'essaye juste par curiosité, pour voir si ça active mon truc. Non. Ah, mais d'accord, en fait, quand il y a marqué 24-60, c'est ce que tu as actuellement. Donc moi, il faut que j'obtienne... Quoi? Pour l'avoir, il faut que j'ai 170 de santé? Mais par quel moyen c'est possible? Il n'y a aucune armure qui fait ça. Même en les améliorant, je pense. Alors attends. Si je veux améliorer la cuirasse de Surt. Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Je peux pas parce que je suis pas en forge. La défense. Ça, c'est celle que j'avais. Donc elle est à 24 en vitalité, ouais. Comment je suis censé avoir 164? Il faut qu'ils prennent des drogues? Amulette? Quoi? Bizarre ça! Mais il n'y a aucune logique! Je veux dire, c'est pas normal! C'est quoi la poignée d'harmonie curatrice là? Poignée des 9 royaumes? Activer le permafrost glacial. Tant que la jauge de permafrost est pleine, déclenche un glissant de le royaume. Ouais. Par quel putain de moyen je suis censé avoir autant de vitalité? J'aimerais bien, ça m'aiderait. Mais faut faire comment? Les stats de Kratos Il les obtient en fonction de son niveau d'armure, c'est tout.
Oh, le 6 en haut à gauche, c'est mon niveau à moi global, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis niveau 6. Il va y avoir des armures qui me font passer à un autre niveau. Ah, on le voit là, voilà. Par exemple, avec le protège épaule de survie, ça... Ah non, je perds du niveau. Ah ouais, moins 1. Non, non, je perds du niveau, ouais, c'est ça. Là, j'en gagne. Ils disent moins 1 alors que visuellement, j'ai l'air d'en gagner. Je vais regarder si je peux pas améliorer mon armure du dragon et voir si ça change quelque chose. Je peux. Mais ça va pas toucher ma vitalité qui restera à 24. Il y en a qui permettent d'améliorer la vitalité, mais pour atteindre les 160, là, je sais pas quoi, c'est quand même vachement compliqué, hein. L'armure du libre arbitre semble pas dégueulasse d'ailleurs. À ce propos, j'ai peur de faire une connerie. Elle demande que de l'argent pour être. En plus, c'est zéro. Bon, essayons. Pour l'améliorer, il me faut du lingot Asgardien. J'en ai plein et de la thune. Je passe en 49 des vitalités hein, quand même. On va essayer de faire ça. Je change d'armure, le libre arbitre. Et classe. T'as vu, on va mettre ton. Ah non, même pas. Pourtant, Surt, c'est pas mieux vraiment? Ah non, Surt. Si, Surt, ça a l'air mieux en réalité. Là, elle est moche. Si, Surt, elle a l'air mieux. Il faut des braises ardentes, des trucs super compliqués à obtenir quand même. Là, je suis à 95 de vitalité. Je peux l'améliorer encore. Là, je suis au max. Une armure lourdement renforcée, considérée comme étant digne de Surt lui-même. Voilà, là, je peux pas faire mieux. Bon. 101 de vitalité. J'ai pas l'armure de Surt de ce côté. Bon, je l'ai pour. Je l'ai pour. Je l'ai pour, il faut l'obtenir en faisant quoi? Est-ce que j'ai la protection de taille de Surt? Ben non. J'ai le libre arbitre. Donc en attendant, ça fera l'affaire. Je gagne plus 4 en vitalité, hein, c'est pas ça qui va beaucoup m'aider. Mais on voit que globalement j'ai gagné un niveau. Je suis niveau 7 maintenant, grâce à ça. Mais ouais, puis 160 de vitalité, je les aurais jamais de la vie. Ceinture du libre arbitre, voilà, je suis au max, la ceinture du libre arbitre. Libre arbitre ici, je peux les améliorer aussi. 139. Now go show it off. Better get that armor nice and bloody.
Et voilà. Le mieux que je puisse faire, c'est 148 de vitalité. Y a pas un truc que je puisse faire encore? Et là, le libre arbitre, elle est où? Elle est là. Ah, elle me permet d'avoir plus de vitalité, elle. Voilà. J'ai 161 de vitalité. Normalement, maintenant, ces putains de runes sont actives. Ok, va tuer des méchants. Fais voir. C'est chiant un peu. Non, c'est 170. J'avais pas vu. C'est 170, sa mère. 160. Celles-ci sont actives. Mais pas celles-ci. Oh, une grande quantité de régénération. Mais c'est celle-ci qui m'intéressait. Il n'y a pas un moyen. Il me manque quoi, 9 points? Il n'y a pas un truc? Là, ça avec ça. Vitalité. Si, j'ai bien un rond qui... J'ai un rond qui augmente la vitalité. J'ai le rond d'expérience machin là. Et c'est tout. C'est le seul? Ouais. Allez, vas-y, on va l'améliorer. 167. Nom de... 170. C'est ça qu'il voulait. 170. Je vais lui faire des sacrifices, là, quand même. Hein. Oui. C'est bon. C'est actif. C'est pas chiant. Putain. Bon, j'ai changé mon armure. Globalement, au niveau de mes stats de force et de défense, c'est un peu moins bien. Mais j'ai plus et beaucoup plus de vie. Mais beaucoup plus de vie, c'est un truc de fou. Ça devrait m'aider. En vrai, ça devrait m'aider. Et surtout, je me régénère, logiquement. Ah oui, regardez. Ah oui, mais oui, carrément. Bon, c'est pas énorme, hein, mais... Je dis pas non, je dis pas non. Peut-être que ça va m'aider. Peut-être que ça va m'aider. Allez. Merde, c'est pas mal. C'est pas mal. Merde, là, je me suis pris des dégâts. Pas mal. Je vais récupérer la vie rien qu'en tapant là. Bon, faut pas que je la joue trop confiant non plus. Hein. Vous êtes bien là, monsieur. Ouais, ça va. Ça va. Et au niveau de ma vie, bah clairement, j'ai... La barre de vie, elle a fait un gros step-up, hein. Oh, et puis ça va. C'est pas comme si je faisais pas beaucoup de dégâts, quoi. Ouais, je pense que là, pour le moment... Après, malheureusement, j'ai l'impression que... Il va falloir opter pour l'armure de Surt. Même si elle semble... Putain, mais lui m'a fait super mal. Même si elle semble moins cool au niveau des stats. Voilà, bon. Shield strike. Mais
C'est vrai, non mais c'est moi, j'ai été trop confiant là. Bon, il en reste encore, j'imagine. Allez hop, ouch. Ah non, c'est bon. Ruée de boss. Ah bah ouais, on voit la différence avant et après amélioration de mes stats, hein. Très clairement. Bon, je vais obtenir quoi là ? Braise brûlante et braise ardente. Ah ouais. L'armure de Surte. Toujours rien pour améliorer mes armes. Non, ça m'intéresse aussi ça. Armure de Surte. J'ai eu quoi? J'ai eu la ceinture, je crois. Ouais. Alors. Elle. Non, vitalité, elle est pas mal non plus. Hein. Avoir l'armure de Surte, je pense que ça, déjà, ça m'aiderait pas mal aussi. Même si elle est moche. Je vais voir si je, si je l'équipe là tout de suite, si je peux avoir les 170 points de vie. 149, non. Non, non, on va rester avec le libre arbitre pour l'instant. Ouais. Ok, je reviens avec mes 170 points. Alors là, du coup, attends, c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie, ça, c'est un truc de fou. J'ai compris ce que j'ai compris. En fait, il faut les faire dans un ordre précis, c'est ça? Donc voilà, j'imagine que quand là c'est éteint, c'est ce que j'ai fait. Logiquement, il y en a trois. Ah, il y a quoi là-bas? Il y a un autre truc là-bas que j'ai pas été voir. Attends. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas trouvé encore. Ben, je pense qu'il y a une autre. En fait, je pense qu'il y a, d'autres défis que j'ai pas pu faire, que j'ai pas vu. Là, y'a quoi? Là, y'a rien. Là, RF. Bon, là-bas, on a quoi? Ah, moi qui pensais que une partie pourrait éventuellement suffire à terminer tout ce que... J'ai pas pu faire, mais je me trompais lourdement. Lourdement. On a quoi là-bas? Il doit y avoir encore une épée plantée là. C'est quoi ça? Quoi ça? Oh putain, c'est la reine des Valkyries, c'est Nia. mais qu'est-ce que tu fous là? Je voulais juste lire un bouquin, moi je t'ai rien dit.
T'as un nom de merde, mais c'est pas ma faute. Oh putain, elle est rapide. Ouais, il a dit qu'il y avait un ordre précis. Non, mais oui, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, parce que ce chemin que je... où je me disais, il y a peut-être une autre solution, bah finalement, il te donne juste le combat, on va dire le combat ultime. À mon avis, ça c'est le pire des combats. Hein. Effectivement, bon, tu vois Kratos revenir en arrière et descendre de son rocher là, en mode de non, non, c'est bon, j'ai compris. Ça va, c'est bon. C'est bon, je pars. Ouais, il y a un ordre précis, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est vraiment pas top. Putain. Oh, l'ordre précis. Est-ce qu'au contraire, il faut toutes les allumer ou faut les éteindre? Sa mère, je pense qu'il faut toutes les allumer, non? J'ai pas fait gaffe. Attends, attends. Là, la dernière que j'ai faite, je l'ai débloquée en allant, en faisant droite milieu, je crois. Donc. Droite milieu. Ça correspond à quoi? R. Ce que je suis obligé de faire, tu vois. Je suis obligé de faire. RN. Et le RN, il est comment ici? Il est éclairé ou éteint? Et le RN, hein, pas le NR. Il y est pas? Ah si, il est là. Il est là, il est éteint. Donc ouais, il faut faire les défis éclairés. Donc faudra que je fasse le NR. Donc l'inverse. L'inverse, commencer par le milieu. C'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure en fait. Si, j'ai commencé par le milieu tout à l'heure. Milieu et droite, oui c'est ça. Donc en fait non, faut faire les éteints. Donc commencer par la droite et gauche. Je crois. Ouais non mais si c'est ça. Alors on va retuer l'élite là. Là elle est cool cette mission, elle fait un peu de temps. En train de douter, hein. Je me demande. Oh merde, j'ai pas réussi. Vas-y, bute-le, Freya. Ah, c'est bon. Enfin, c'était temps. Je regardais plus là, je suis en train de réfléchir. Je sais plus. Bon, maintenant c'est trop tard de toute façon. Hein. Vous avez pas osé faire ça dans 2018. Putain, mais alors là les mecs, les designers là qui ont imaginé ça, mais allez brûler dans ce même enfer là. Trouvez-vous un volcan et puis je sais pas, faites bronzette, j'en sais rien.
plus les épreuves là du milieu, les haines du coup, enfin, c'est vraiment la haine, elles sont dures. C'est les pires, je crois. Ma gauche, il y a personne sur ma gauche. Ah si, elle là-haut. Comment tu es saoulé? Elle est nagée dans un volcan, tellement. J'ai du mal à croire à ce que... À ce que je vois là, hein. Parce que je me dis qu'en vrai, non, ils auraient pas osé, c'est pas possible. Et si, ils l'ont fait. C'est même pas une question de goût, d'appréciation, tu vois, c'est juste que là, c'est chiant. Personne aime refaire des défis 15 millions de fois, là. C'est bon, je l'ai fait une fois, c'est pas intéressant. Ils ont cru que c'était marrant. Oh, ça me saoule de faire ça. Hop, regarde. Ça, c'est le développeur. Quick. Et du coup, il y a un truc qui me revient en tête en mode la dernière fois. Oh, mais ça va, c'était pas compliqué le défi. Mais tu m'étonnes! Le but c'est de les recommencer! Oh, il y a un truc de merde qui les régène. Il est où? Il est où ce petit? Ah, il est là-bas le petit connard. Allez, glisse, glisse, glisse! Elle a pas roulé boulet, elle. Ah, c'est toi qui reste. Bim. Alors, est-ce que j'ai vu juste ou pas? Ah putain, faut que je récupère le corps. Je crois que je me suis trompé. Je crois qu'il aurait fallu que je commence par le milieu, en fait. Ce qui est bien, c'est que je gagne de l'XP qui me sert à rien. Oh putain, oui, je crois que je me suis vraiment trompé. Attends, ouais, réinitialiser. C'est donc NR. NR, il est éteint ou allumé? Ouais, vu que... ouais, NR, il est allumé. Donc voilà, le but ici, c'est donc de bien de les éteindre. Ok. Ça va, on avance.
Ok, elle est puissante. Je les trouve tous relous. Là, on rappelle, voilà, les ennemis sont quasiment invincibles. Il faut les faire tomber dans la lave. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est plus long? C'est un autre défi, je sais pas. Pas timé au moins, c'est souvent une bonne chose. Tu veux pas tomber toi hein. Allez, regardez, roulez boulez. Alors, je me souviens que j'avais toujours trouvé une petite façon marrante de la choper avec mes lames pour qu'elles viennent par là. Hop là. Ah, ça marche toujours les bons vieux coups. Putain, mais c'est pas vrai! Enemy behind you, Kratos! Right side! Last enemy. C'était pas le plus simple celui-là. Bon. Alors, là je suis au milieu, faut aller à gauche, enfin. Dans ma gauche. J'ai vraiment perdu. Au début, j'étais tout enjoué, vraiment. C'est trop cool. On va tout revisiter. Maintenant, je suis puissant et tout. Mais pas comme ça. Comme ça. Bon, on a quand même trouvé
la dernière Valkyrie. Pas la dernière, la reine. C'est la seule Valkyrie qu'on a affrontée dans le jeu. À part les deux boss là, à un moment, qui sont un peu pourris. Ouais. J'ai perdu goût à la vie. J'étais bien, je m'éclatais bien sur ce jeu, moi. Je trouvais bien God of War Ragnarok. Pourquoi tu m'as trahi? Ah, mais il est re-rentré dans son trou. Donc logiquement là, maintenant que les défis sont terminés, on devrait avoir débloqué un nouveau défi dans l'arène centrale de merde. Rien que pour comprendre comment fonctionne cette arène, j'ai eu du mal. C'est pas expliqué en réalité, je crois, hein. Ça m'a pas été expliqué, il faut comprendre tout ça. C'est où déjà? On va encore tomber sur un défi à la con. Alors par contre c'est vrai que maintenant les défis à la con me font moins peur étant donné que bah j'ai eu un gros step up et mon petit cracra. Alors massacre, restant en vie jusqu'à la fin du temps parti. Oh donc du coup c'est ça. Putain. Faut donc bien éteindre les trucs. Ok. Rester en vue jusqu'à la fin du temps imparti. 300 secondes. Je cours. Il vient me chercher. Il vient me chercher. Bon. Bon, ça, c'est pas. C'est pas que c'est inintéressant, c'est que c'est long de toute façon, quoi. 300 secondes, c'est quand même beaucoup, hein. Non, on va se calmer. 300 secondes, c'est quoi? C'est 5 minutes? C'est 5 minutes, 300 secondes. Oui, voilà, c'est ça. 5 minutes! Oh, il est rigolo! Ça va les amuser, jeunes! Ils vont être bien, là! Avec leurs copains, les elfes. Heureusement, je regagne de la vie. Hein. Il y a des connards qui lancent des boules de feu. Enfin, des boules. Des boules. Des connards qui lancent leurs boules. À proximité de l'arène, à l'extérieur. Alors, vous avez vu ça? Hop. Oh oh, bonjour. Il me semblait bien que j'avais entendu un graou.
behind you, Kratos! Left side! Je pense que là, sans la régène de vie déjà, ça fait beaucoup plus mal. Hein. Ah, il y a un raptor carrément. Ils sont chiants les raptors. Ça, ça se demandait si j'aurais pas dû garder les ennemis du début là. Est-ce qu'en tuant des ennemis, parce que là c'est passé vite les 5 minutes quand même, hein, c'est les 5 minutes les plus rapides de toute ma vie. Hein. Est-ce qu'en tuant des ennemis, je raccourcis pas le temps? Putain, le petit de merde! Dégage. Je veux dire qu'il y a plein de vie autour, là. Voilà. Mais je sais... Arrêtez, il y a toujours un ennemi derrière moi. Quoi que je fasse. Toujours là, lui ? Oh, c'est un autre. Vous avez des raptors ? Allez, reste 11 secondes. 10. Oh, putain. Oh, putain. J'étais pas loin, quand même, de mourir, hein. Un peu dur. Alors... Oh. Tamnil aussi il trouve les raptors chiants. Maintenant je suis d'accord avec lui. Bon, braise brûlante, braise ardente. Ça, on en a genre. Là, mais je gagne vraiment des trucs de merde. Armure de surt, même pas? Non? Oui? Ah, le bras brûlé du surt. Alors est-ce que... En ayant l'ensemble de sûr, ça me permet d'avoir ma vitalité à 170. Tiens, on va essayer. Les bras brûlés de Surt. Alors, on va s'équiper de l'armure de Surt au total, on va voir. Je pense que oui. Je sais pas, en fait. Surt. Surt, 141. Non. Bon, bah on va garder le livre arbitre, hein. Décidément, pour le moment, c'est ce que j'ai de mieux. Déjà que je suis à pile poil 170, attention. Hein. C'est assez fou quand même. Alors, maintenant, il faudra que je fasse... Donnez-moi une encore éclairée. NF. N, c'est le milieu. Oui, j'ai bien associé le milieu à la haine, ça marche. Alors du coup, je sais pas... Je sais pas lequel est le mieux. D'où chiant, en fait. Mais je crois que c'est la dernière fois que j'ai rien à faire. Ouais, on va faire l'épreuve des mousquetaires, mais... Yes.
NF, j'ai dit, hein. Tu veux dire que ce serait celle... à gauche. J'ai dit le nord. Alors lui, il a tellement pas eu le temps de ressusciter ses copains. Il a explosé direct. Moi aussi, je l'ai spawn kill. Hein. Ah, il y en a un autre. Vraiment des petites daubes, ça. Allez, petit dernier. Puis à chaque fois, tu sais, le jeu, il est là en mode, ah, bien vu, bien. Bon, bah, puisque tu as refait cette épreuve pour la 5e fois, je te donne ta récompense. Et t'es content d'avoir ce coffre? Prends-le avec le sourire. Hein. Bon, F, gauche. Alors, par chance, celles-ci, elles sont simples et rapides aussi. Et F, ouais. Alors, c'est quoi la mieux déjà? Première partie. Éviter de subir des dégâts, non, surtout pas. On va faire éliminer les ennemis dans le sens, dans le temps imparti. Au moins, c'est une épreuve qui a été faite pour être courte. Comme vos bites. Ce qui fait que. Au moins, voilà, je sais que je vais pas y passer trop de temps si je la réussis en tout cas. Normalement, ça devrait le faire, non? Ouais, l'armure du libre arbitre, pas dégueulasse, hein, au passage. Allez, 6 ennemis encore. Hop, 5. Et hop, je le voyais brûler lui. Ah,
Allez, j'ai hâte de récupérer le contenu de mon coffre. Je me demande bien ce qu'il y a dedans. Bon, la bonne nouvelle, c'est que... Bah, après, il m'en restera juste une. Allez, on est sur la finalité, là, des épreuves de Spellheim. Bah, il y a probablement une toute dernière épreuve bonus, peut-être, je sais pas. Ou alors, à la fin, c'est juste un coffre bonus. Mais franchement, je l'aurais mérité, hein, pour tout ce que je fais là. Bon, qu'est-ce que ça va être, ça, encore? Restez à l'intérieur du cercle. C'est d'ailleurs basiquement des épreuves du premier God of War, hein, je la reconnais celle-ci. À l'intérieur du cercle. Pas entendu, tu restes à l'intérieur du cercle. Il se réduit. Oh, ça se réduit. Oh putain que ça se réduit. Ah non, ça se réduit pas, ça bouge. D'accord, donc je dois buter tous les ennemis, mais en restant dans le sac. Ah, je brûle. Hop là. Là-bas, il m'a fait super mal. Ennemi pourri au milieu. Alors que t'avais un raptor devant toi, bah écoute. Il s'est bougé plus long. T'es pas chaud, il bouge. Il fait n'importe quoi, tu brûles Kratos, ta gueule. Kratos, tu brûles vraiment. Kratos. Oh. Évidemment, j'avais oublié de racheter encore une fois une pierre. Ah, c'est chiant, hein. C'est chiant. Elles sont casse-couilles, des fois, certaines de ces épreuves. Ah bon, vas-y. Bonjour, la vilaine. Tu vas me rendre une petite pierre de résurrection supérieure, là. Mouah, comme ça. Encore une fois, une preuve que Sam Neill avait raison. Hein. Je suis chiant, les raptors. Bon, alors. En fait, voilà, je vais laisser ce truc-là. Comme ça, ça ne m'emmerdera plus. Et je vais me servir uniquement de mes lames du chaos. Bon. De toute façon, elles sont très puissantes.
Parce que vraiment, le... Ah, les nuages de fumée verte, là, m'a dégommé, là, tout à l'heure. M'a dégommé, la vie. Je dirais pas Freya de faire des attaques. Elle marchait tranquillement en mode badass sur, devant la caméra, mais c'est classe, hein. Mais je dis pas le contraire, mais bon. C'est quoi là? D'accord, il utilise du Bifrost. Mais quel ennemi parfait. Allez, en parlant de Bifrost, hop, mange-moi ça. Ah bah, ça a pas marché. C'est le dernier ennemi? Ouais. C'est bon. Merci Freya. Elle va être super riche, la naine. Ah bah, elle récupère déjà la maison de Cindy, toutes ses possessions, tout ce que Kratos a à offrir comme argent. Ouais, ouais, tranquille, la naine. C'est pas pour sa beauté qu'on va l'aimer, elle, hein. Bon, il me reste qu'une seule épreuve. Bon. En apparence, vous allez avoir l'impression que je vais en faire trois. Mais c'est juste une impression. Il faut donc que je fasse enchantement d'amulette. C'est quoi celui-là? Endurance de Muspelheim. Ah, attends, du coup, maintenant j'ai des Muspelheim. C'est quoi déjà Muspelheim du coup? Tu. Muspelheim. Je les ai passés, c'est ça? Spartan. Enfin, Muspelheim. Alors. bonus d'ensemble, augmente les dégâts des attaques au corps à corps infligées par Kratos quand les jauges de permafrost, d'immolation ou de maelstrom sont prêtes. Sont pleines, pardon. Ce cas, c'est que c'est pas souvent que je les ai de remplis, moi, ces jauges-là. Ça, c'est ces jauges qui se remplissent quand tu te fais pas toucher. Parce que, en fait, globalement. Sniff Lime, c'est quoi? Augmente les dégâts au corps à corps infligés par Kratos, soit qu'il a plus de 75% de sa santé. Ouais. Super vite, hein, ce bonus. Les esquives in extremis renforcent les attaques suivantes de Kratos en fonction de sa force. L'attaque suivante, pardon.
Ouais, ça par exemple, je pourrais peut-être m'en délester. Je vais essayer, tiens. Je vais essayer Muspelheim. On va voir ça. Le prédateur ultime. Je vais parler de la naine? C'est vrai. RF. Alors, RF, 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 RF. RF, c'est droite-gauche, je crois. Il me semble que le R, c'est celui-là qui est là-bas. Ma petite épreuve préférée. Ah bah je l'aime bien celle-ci, elle est simple. R, ouais, c'est ça. D'accord Kratos, tu as visé complètement à côté, c'est pas grave. Je sais pas ce que t'as fait là, vraiment j'ai pas compris. Donc F à gauche. On retient que celle du milieu, c'est la haine. Et oui, logique. Y a pas de récompense là? Voyez, il y a ton gros cul sur la récompense, c'est ça? Bah oui. Je veux mon petit biscuit quand même, mon petit sucre. Ah. Ça dure tellement longtemps. Je vais faire les arènes, puis je vais m'arrêter, hein, voilà. Là, évidemment, là, de toute façon, la reine Valkyrie, ce sera pas pour tout de suite, on le sait. J'en ai soupé, là. de tout ça. Donc la reine Valkyrie, ce sera le défi ultime. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de tout calculer pour que mon petit platine tombe à ce moment-là. C'est-à-dire s'il y a des petits trophées genre chiants du style... F, voilà. Du style tuer 15 ennemis avec la lance en moins de 10 secondes, tu vois. Vous savez, ce genre de trophée, bah au moins ce sera fait. Tous les ennemis dans le temps imparti. Et l'autre, c'est... 20 ennemis. Allez, on va faire celui-là. It's time. Non, celui-là, cette épreuve-là, elle est encore plus courte. That's the way, I like it. It's explosive, be careful! Ouh, tu m'as l'air un peu énervé, toi. On va se calmer. Là, bah là, justement, j'ai le... Ah oui, d'accord, c'est très puissant. Vous avez vu ça? J'ai le... ma jauge activée, et du coup, bah, je fais des dégâts de malade, quoi. Tant que je me fais pas toucher, je vais faire des dégâts de malade. Donc, ouais, intéressant d'avoir les runes, là, de ce royaume. Good, that's the way!
Voilà. Bon. Mon petit sucre. La reine, c'est la vraie boss finale, ouais, probablement. Oui. Et je pense que oui, il n'y a aucun autre ennemi qui va me donner autant de difficultés que ça. On a pu testouiller là. Ouais. Il va me falloir un petit peu de temps, je pense, pour tuer ce machin-là. Bon, du coup, la dernière épreuve. Enfin, j'espère. Enfin, donnez-moi un truc bien, quand même. Je l'aurais mérité, là. Éliminer tous les ennemis. Ah oui, c'est l'amalgame. Il va y avoir plusieurs amalgames, c'est ça? Oh non, j'ai pas eu le tuer de j'ai pas eu le temps de le buter. Mais des ennemis? C'est quoi ces mecs? Quoi? Dans l'eau là, il y en a qui m'a l'air bien costaud quand même. Hein. Je temporise pour regagner de la vie. Vous l'aurez compris. Freya, je préférais que tu me débarrasses de ce gars là. Ouais. Ah tiens, j'avais oublié, j'avais encore ma petite pierre tout à l'heure. Bon voilà. On va pouvoir donner toute l'attention qu'il mérite à l'amalgame. La dernière, elle est où? Non, peut-être pas. Attends, ah, elle est là-bas. Trop tard. Trop tard. Ouais, mais tu... Tu gênes, frère, hein? Left side!
Bon, voilà. Allez, redonne-moi un petit peu de vie, par contre. Pour terminer le l'amalgame, je pense que ça devrait pas être trop compliqué, mais... Avec un peu de vie, c'est mieux. Oui, et encore. Mais c'est pas terminé, faut encore lui arracher son truc. Putain, sérieux? C'est quand même pas mal d'avoir une fée bien badass. Une Freya, pardon, bien badass. Non! Putain, tué par l'ennemi tout pourri. Oh, son explosion, je sais pas quoi. Ça fait du bien d'avoir une Freya bien badass qui a des stats, enfin des capacités plutôt cool. On l'a vu avec sa tentacule et tout, elle fait des trucs. J'arriverai pas à en avoir deux à la fin. Oh, tiens, c'est lui qui est sorti en premier, cette fois. D'avoir tous ses ennemis en même temps. Mais bon. Je sais, moi, cher. Mais allez, mais putain, récupère aussi là. Thank you.
C'est vrai que je l'oublie, mais... Ça attaque très bien ma distance, ce truc. J'ai réussi à faire les trois. Que je vous disais, il y en a qui... L'ennemi qui est pas facile, quoi. Là, j'essaye de rester un petit peu à distance, pour de regarder un petit peu de vie. Il va falloir détruire l'amalgame. Je pense que oui. Je pense qu'il va revenir là. Et du coup, ouais, voilà. Il va leur arracher sa boule. Allez. Bon, du coup, c'est fait. Le dernier coffre. Putain, il y a intérêt à ce qu'il y ait un truc bien dedans, en vrai. Hein. J'ai pas perdu mon temps. J'aimerais bien qu'il y ait un truc bien dedans. Putain. Il m'a donné. C'était plus une amulette. Une dernière rune de Muspelheim là. Attends. C'est celle-ci. Celle-ci, elle augmente la chance. Non, la défense, pardon. Non, le pouvoir unique, pardon, voilà. Eh, mon souvenir fossilisé, il marche pas? Ah ouais, tiens, je vais la mettre à la place. Tu as l'air très content. Je suis ravi. J'ai pas du tout perdu mon temps. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai très peu de déception avec ce God of War Ragnarok. Mais alors... Muspelheim. Ah, je peux toutes les refaire. Si j'ai envie, c'est cool. C'est une grosse déception. Ah ouais, donc il va falloir revenir ici, de toute façon... au dernier moment, pour affronter la Valkyrie. Kiri. J'aurais dû apporter un seau d'eau. Une baignoire. Qu'est-ce que t'as T'as dit quoi? Tu veux une seau d'eau? Ah, c'est pas ce que tu disais, pardon. J'ai tendance à confondre. Relique. C'est vrai que j'ai pas remarqué, mais j'avais une nouvelle relique. Transformer l'inconfort de Mimi en une explosion de Bifrost, infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Quoi?
va falloir que j'essaye ça. Hein. Projet des Huldres numéro 9. Il va falloir que j'essaye ce truc. Fabricable, celle-ci, c'est quoi? Frapper le sol pour générer une explosion de poison cèdre créant un obstacle. Il y en a plein que j'avais, des reliques, et j'ai même pas fait gaffe. Et ça veut dire que le bifrost que j'avais était plutôt cool en fait. Je m'en sers bien. Une décharge électrique, ça doit être un petit peu comme le truc de Freya. Charger l'épée. Pour sacrifier de la santé et infliger des dégâts. Ah, attends. Y'all come back now. You know what, Blazin? Ça a l'air trop bien. Et en plus, t'as Mimir qui gueule. C'est parfait. Mimir, il a un pouvoir dans ses yeux. Bon. Une bonne nouvelle, c'est qu'au moins ça m'aura permis de me rendre compte du potentiel que j'avais en armure, voilà, qui dormait là. Et donc là, j'ai un équipement qui est quand même vachement cool, même pour affronter en réalité les berserkers. Ça devrait quand même pas mal m'aider, hein, tout ce que j'ai là maintenant. C'est-à-dire le fait de regagner de la vie. Puis d'avoir une vie quand même. Voilà, c'est plus confortable d'avoir plus de vie. Tout en ayant des stats sympas. Ça va plutôt bien m'aider. On va revenir là tout de suite. Hop, à la maison de Sindri, puis on va s'arrêter là. J'sais même pas. T'as bien level en tout cas, ouais voilà. J'ai gagné des niveaux. Voilà, ça aurait été compliqué. J'ai l'impression d'être, vous savez, dans Dragon Ball là. Quand ils vont dans cette dimension, où ils s'entraînent pendant des années, mais en fait pour les gens à l'extérieur, ils ont l'impression qu'ils sont partis une seconde. Mais à l'intérieur, c'est des années et tout ça. Bah là, j'ai l'impression d'avoir fait ça. J'ai l'impression d'y avoir passé beaucoup de temps. Mais je suis beaucoup plus fort. Ouais, il a grave le level, c'est chouette, ouais. Bon, bah la prochaine fois, voilà, je sais pas si on va le terminer la prochaine fois, il reste quand même beaucoup de choses, on verra. En tout cas, là, c'était, du coup, dédié entièrement à la reine, à Muspelheim, ce qui restait des épreuves de Muspelheim. On y reviendra pour la reine, justement, en deux mots, des bisous, et puis à bientôt.